Mais Benoît, où tu vas quand tu viens comme ça? À Paris, gros plouc. Ça fait pas deux heures qu'on est là, on a déjà l'air de deux clodos. Soyez cool. Ah non, mais ça va pas. C'est qui ce gars là? J'aurais besoin de quelque chose, je me sens pas très bien. Il a pris combien de pilules? Bah, une bonne grosse poignée. Putain, faut que j'arrête de fumer, moi. Je suis en train de voir un mec de mon village qui fait un brushing à un lampadaire. Ça t'a l'air d'être éclaté, mais mortel. Faut soigner le mal par le mal. Je dois retrouver quelqu'un qui me doit des sous. C'est une question de vie ou de main. Sauf qu'il a pas l'air commode, le mec. T'inquiète pas. Et alors, comment ça se passe à Paris? Pas très accueillant, les parigots. Enfilez tes vaches. Moi, je dis qu'il faut y aller. Il faut y aller. Tu vas pas te casser pour une petite engueulade de rien du tout. C'est le chat du cinquième étage, tu parles d'une petite engueulade. Philippe est pas là, je suis la femme de ménage. Personne n'a le droit d'entrer. Je suis son père. Et ces deux portables là, c'est quoi? Ça c'est une ligne perso, puis ça c'est une ligne professionnelle. Ton fils est une sale fiotte qui fricote avec les bougnous. Ça va pas? Tu viendras me supplier de te reprendre et je veux te dire et merde! Putain! Comment ça fait, ce bordel? Ah, c'est hot! Oui, tu veux pas jeter un œil, toi qui es médecin? C'est tout rouge. C'est pas ma spécialité, moi c'est les bronches. C'est ta spécialité, toi, Samir? C'est glauque là! C'est glauque! Mais vous êtes des médecins, voiture, vous êtes des lopettes! Et charmant, ton ami campagnard. Drop. Aïe! J'ai plus puissant! Qui est Gao ici?